Toxmo, qui s'appelle Toxmo à la base et qui aujourd'hui s'appelle Dr Berriz. À l'époque où il y avait le groupe, lui, il n'était pas dans l'institut. J'ai insisté auprès de l'équipe pour qu'il rentre dans l'institut parce que, comme je t'ai dit, on l'a cherché pendant un an. Il était à Place Clichy, nous, on était à Grand Boulevard, mais on se croisait jamais, on entendait parler de lui. Moi, en tout cas, je me suis dit, il faut qu'il soit dans le groupe. Parce qu'il est bon en plus, j'entendais tout le monde disait, il est bon. Un jour, il est venu en studio avec nous, il a enregistré un truc. Je dis, les mecs, il faut qu'il rentre dans le groupe, tu vois, c'est un tueur. Et si j'ai des bons souvenirs, on était à Place Lino Ventura dans le 9e, il y avait toute la section et il y avait nous. Et j'ai dit devant la section pour les provoquer un peu, j'ai dit, Toxmo, il va être plus fort que Gims. Il a plus de potentiel. S'il travaille, il va être plus fort que lui. C'est un mec, il a un potentiel de fou. Après, l'ayant, on va dire, managé pendant des années, j'ai été en studio avec lui pendant des années, je pense qu'il a perdu quelque chose. Je pense qu'il s'est lancé dans une voie où il ne peut pas vraiment exprimer tout son potentiel. Alors que lui, c'est pas un artiste limité. Il est encore plus caméléon que moi, à la base. Vraiment, hein, je te dis ce que je pense de lui parce que c'est un artiste qui m'a vraiment choqué dans ma vie, tu vois. Mais je pense que les gens ont une image de lui. Aujourd'hui, c'est pas la vraie image de Toxmo. C'est un mec qui touche à tout. Il peut te faire du rap old school, il peut te faire du chant, il peut te faire des mélodies caribéennes. Et là, tu l'entends que dans un style, tu vois, plus ou moins. Le style un peu Watibé, tu vois, de ce que t'entends. C'est dommage. S'il m'entend, vas-y, repars comme à l'ancienne. Refais des trucs comme à l'ancienne. Touche à tout, ne te limite pas. Touche à tout style d'instru et tu vas tout niquer. Donc j'espère qu'il verra cette interview.